Bonjour, la nouvelle vient de tomber à l'instant. C'est un réseau de plusieurs centaines de rédacteurs web SEO qui a été démantelé hier dans toute la France. À sa tête, Lucie Ronglet, une jeune trentenaire, a été interpellée cette nuit à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Depuis plus de 2 ans, ses membres s'adonnaient sous ses ordres à un vaste trafic d'articles viraux venant envahir le web et rendant les internautes totalement addicts. Ils encourent tous une peine de 10 ans de travaux d'intérêt généraux à rédiger des fiches produits au service de sites e-commerce. C'était Marie du Web sur France des Informations. Tata! Bonjour à tous, je suis actuellement en direct de chez moi où la police recherche activement une femme prénommée Lucie Ronglet. À l'heure actuelle, on ne sait pas où elle se trouve, mais probablement cachée à des milliers de kilomètres de la France. Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formationrédactionweb.com. Aujourd'hui, je suis au coin nord-ouest de la Cité Interdite pour répondre à des questions qui reviennent souvent. Les gens cherchent à savoir si oui ou non ils sont faits pour la rédaction web. Alors, parmi les questions, il y a pour être un bon rédacteur, est-ce qu'il faut fournir du contenu de qualité à ses clients? Bien évidemment, non. Favoriser la forme par rapport au fond. Est-ce que moi, je vous envoie des vidéos dans des apparts pourris? Non. Aujourd'hui, je suis à Pékin. Demain, je serai à Sydney. Et ensuite, je retournerai vous narguer dans des paysages de rêve en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir ce que c'est le web. Je sais qu'elle a écrit, mais je ne sais pas d'autre chose, moi, le web. Bienvenue dans cette vidéo témoignage. Je vais vous expliquer à quel point la formation de Lucie a changé ma vie. Grâce à Lucie, j'ai découvert une méthode de référencement naturel unique. Elle a aussi su s'entourer d'une équipe dynamique pour accompagner toujours mieux les élèves. J'ai la chance d'en faire partie en tant que correctrice et coach. Je suis ravie de t'avoir rejoint et je te trouve, comment dire, très convaincante. Je ne fais jamais de vidéo de témoignage, mais ça me paraissait important pour vous expliquer à quel point la formation de Lucie avait changé ma vie. Bonjour à tous, ici Audrey et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne formationrédactionweb.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment optimiser le titre d'un article. Faut trop que je travaille, faut trop que je travaille. Un client, un de mes clients, m'a demandé d'écrire un article sur atteindre ses objectifs. Et du coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux exactement, client? Et là, il m'a répondu, Charlotte, cherchez l'impertinent. Il faut surtout essayer de dépasser le factuel. Pour être dans l'existentiel. Voilà. Est-ce que tu m'as appris à faire ça, Lucie? Je te le demande. Ici, dans le sud-ouest. La rédac. C'est un sport d'équipe. Merci, Lucie. Tata! Oh maman! Arrête l'école. Je vais faire rédactrice web comme toi. J'adore la rédac. Merci Lucie. Hey, bonne rédac, tata. Ah non, je fais trop de fautes d'orthographe à mon âge. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une chaîne YouTube comme elle. Thank you.
Comme vous pouvez voir, les conditions de travail d'un rédacteur web sont très difficiles. Si tu veux optimiser ta balise title pour le SEO on-site, rien de plus simple. Je fais une vidéo pour féliciter Lucie pour ses 10 000 abonnés à sa chaîne YouTube. J'adore travailler dans le canapé. Mais rien ne serait pareil sans la communauté FRW, pleine d'entraide, de bienveillance, d'éthique et même d'écologie. Merci Lucie, merci toute l'équipe. Tata! Vraiment, moi, ça fait un mois et demi que je m'éclate. Voilà, moi j'ai intégré la formation pour pouvoir venir vivre ici, vous voyez, avec les bateaux, la mer. Donc merci de m'accompagner dans mon projet de vie pour devenir freelance et rédactrice web SEO. Bonjour Lucie, je suis Valérie, élève Liberté. Je t'envoie une petite vidéo pour fêter tes 10 000 abonnés. Je t'avoue que j'apprécie tout particulièrement de faire la course à pied, de courir après les exercices que tu nous proposes dans ta formation. Comme ça, je me défoule bien. Ça me permet de bien réfléchir à ce métier de rédacteur web, à toutes les opportunités qu'il offre. La richesse incroyable de ce métier que je ne connaissais pas. Je te remercie vraiment parce que derrière tout ce que tu proposes, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de générosité. Bisous, tata. Allez, comme dirait ici, bonne rédac, tata. Hein? Pourquoi elle dit tata? Je sais pas, aucune idée. Tata. Bonne rédac, tata. Salut à tous, bonne rédac, tata.